cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez m'accompagner lors d'un événement pour présenter mes produits en laine mohair. Puisque j'ai eu la chance d'être invitée par la communauté de communes à exposer mes produits sur leur stand lors de l'événement Ferme Expo à Tours. Donc c'est un gros événement, je pense que c'est le plus gros auquel je vais participer, enfin c'est pas que je pense, c'est que c'est sûr. C'est le plus gros événement, c'est, alors pour ceux qui connaissent pas ou qui ne sont pas de la région, c'est une sorte de petit salon de l'agriculture, mais à l'échelle régionale je pense, ou départementale, enfin en tout cas dans la ville de Tours. Donc il va y avoir pas mal de passages. Moi je suis invitée sur une journée, mais le salon se fait sur 3 jours, donc vendredi, samedi, dimanche qui arrive. Le jour où je vous parle, c'est mercredi, donc c'est dans quelques jours, dans la semaine, là, enfin jeudi, vendredi, je vais travailler, donc je vais pas avoir beaucoup de temps pour préparer tout ça, donc ça fait déjà plusieurs jours. J'essaye de créer quelques nouveaux produits en attendant la date fatidique, mais aujourd'hui, en tout cas, ma mission du jour, c'était d'organiser vraiment comment allait se passer... comment j'allais agencer mon stand, dans quel contenant j'allais transporter tout mon matériel et tout ça. Donc, alors c'est pas la première fois que je transporte mon matériel, hein, j'ai déjà participé à plusieurs marchés ou festivals, mais voilà, j'aime bien faire un point quelques jours avant. Donc c'est ce que j'ai fait ce matin, et puis à chaque fois c'est l'occasion de refaire un petit, un gros point sur tout mon stock. Et j'ai des fiches dans mon ordi où j'ai tout de bien rangé. Donc j'ai fait un point sur mon stock, comme ça je suis sûre de ce que j'ai avant de partir. Donc ça je l'ai fait ce matin. Et ensuite j'ai fait une simulation de stand, parce que d'habitude j'emmène mon barnum et ma table. Mais là, comme c'est une invitation sur un stand déjà de quelqu'un d'autre, donc la communauté de communes Sud 37, eh bien j'ai une petite table d'attribuer pour mes produits, mais donc c'est vraiment une petite table qui fait 30 cm sur 120, qui a 3 étages, donc je voulais un petit peu voir comment j'allais agencer tous mes produits, parce que d'habitude je suis un peu plus étalée, j'ai un peu plus de place. Pareil en termes de déco, j'aurais aimé emporter un petit peu de déco dans le mood de Noël, puisque là donc on est mi-novembre, ça y est, Noël, la période de Noël peut commencer. Halloween est derrière nous. voilà, je voulais agrémenter un peu mon stand avec quelques petites décos de Noël. Je pense que je vais pas pouvoir en mettre beaucoup, mais déjà des petites guirlandes lumineuses, des petits sucres d'orge par-ci par-là, ça peut être sympa. Donc, je vous disais, ce matin, j'ai fait le point sur mon stock et ensuite j'ai sorti tous mes produits. Il va falloir que je refasse aussi de l'étiquetage. Et donc j'ai mis en place sur mon îlot central de cuisine, qui est une sorte de table à 3 étages, on va dire. Donc voilà, j'ai délimité avec un plateau, des planches des planches à découper et tout ça, pour voir un petit peu la zone qui me serait attribuée sur la grandeur de la table. Et donc je vous montre ça. Et puis bien sûr, je vais vous embarquer avec moi tout au long de cet événement, donc principalement dimanche, puisque moi je participe dimanche, mais je pense qu'on va charger, en tout cas préparer toutes les affaires samedi, et en route dimanche matin pour passer la journée à Tours. Bon alors il fait tout gris aujourd'hui, donc excusez pour la luminosité, et excusez aussi pour le bazar partout, mais là j'ai la tête dans le guidon en ce moment. Donc pour vous montrer un petit peu la taille de mon stand, ce sera, donc là j'ai délimité avec cette planche à découper, j'ai une autre planche derrière, bon là il y avait un plateau, mais donc c'est le petit tapis. Et donc voilà, ça se résume en fait à la place qui est occupée par la petite moumoute blanche là. Donc ça fait 1m20 sur 30 cm. J'ai donc présenté un petit peu ce que je voulais emmener avec moi. Et donc c'est sur 3 étages. Donc au-dessus il va y avoir pelote, accessoires, plaid et tout ce qui se porte sur le portant. Voilà, alors malheureusement les étoles au fond là ne sont pas les mieux mises en valeur. Mais j'ai essayé de les mettre devant, ça cachait ces petites beautés là. Donc du coup je les ai mis derrière, c'est un petit peu dommage. Je verrai après, une fois là-bas aussi, comment je peux faire. Peut-être qu'il va y avoir des modifications, mais en tout cas je pars là-dessus pour l'instant. J'emmène ma jolie petite pancarte qu'un ami m'a créée et dont je suis très fière, parce que elle est très jolie. Il a repris les petites empreintes que j'ai mis autour de mes pages de présentation sur les réseaux et tout ça. Je suis très contente.
En bas de ce portant, on mettra, je pense, mon stock de pantoufles, puisqu'il faut que j'emmène quand même pas mal, parce qu'apparemment, c'est pas mal fréquenté là-bas, donc il va falloir que j'emmène un peu de stock. Donc je pense que je mettrai les boîtes de pantoufles en dessous. Et d'ailleurs, je vais mettre un petit coup de tampon avec mon logo, et puis réécrire les tailles un peu plus, de manière un peu plus lisible. Donc ensuite, l'étage de la table, il y aura tout ce qui est chaussettes. Donc j'ai les chaussettes de randonnée, j'ai les guêtres et j'ai les chaussettes classiques avec classées par taille. Alors ça, d'habitude, les chaussettes, je les présente pas là-dedans, je les présente dans une valise. Et dans cette valise, le couvercle, en fait, quand elle s'ouvre, il y a les tarifs et tout ça. Donc là, il va falloir que je refasse une étiquette que je fasse une étiquette tout simplement pour indiquer les prix des chaussettes et des sockets. Et en bas, pour l'instant, j'ai mis une paire de pantoufles. J'en mettrai peut-être une ou deux, je sais pas. C'est dommage parce que j'ai qu'un seul coloris. J'aurais eu plus pour les hommes et puis une autre version pour les femmes. Mais je n'ai pas encore. Mais j'y travaille. Donc voilà un petit peu à quoi ressemblera le stand, je pense. Je vous montrerai bien sûr une fois là-bas. Coucou, bon, nous sommes dimanche matin. Je suis accompagnée de mon chéri. On vient d'arriver au parc des expos à Tours. Et on va s'installer. Parce que malheureusement, c'est le seul moment que j'ai pour vous débriefer la journée d'hier qui fut intense, vraiment il n'y a pas d'autre mot. Pour faire un petit récap, on était invité à la ferme expo de Tours par la communauté de communes, donc sur leur stand. Donc ils m'avaient prévenu que j'allais avoir une petite table et tout, donc ça m'avait un peu stressé parce que ça m'avait l'air petit. Finalement, quand on est arrivé, donc déjà levé 6h30, ça faisait mal. On est arrivé, j'ai vu du coup la fameuse petite table qui n'était pas exactement comme on me l'avait dit, mais finalement il y en avait deux. Donc dans la bidouille c'était parfait. Donc j'ai eu plus de place, donc ça c'était chouette. On s'est installé, donc on est arrivé, on s'est levé à 6h30, mais parce qu'il fallait petit déjeuner, charger la voiture et s'occuper des animaux. Mais après on avait une heure de route, oupla, et on est arrivé là-bas à 8h15, 8h20. Les gens ont commencé à rentrer vers 9h30 et ça n'a pas désempli jusqu'à 18h. C'était intense. Il y avait évidemment tout un brouhaha constant, de la musique, des animations et tout. Donc j'ai fait que de parler mais en criant. Ce qui fait que j'ai regardé ma montre parce que je me suis dit ouais, est-ce que je vais tenir toute la journée. À 11h30, j'avais plus de voix. J'avais la voix cassée et tout. Mais bon, après voilà. Là ça va mieux déjà, j'ai pris du miel hier soir et ça va mieux, mais franchement hier soir je parlais plus tellement j'avais mal à la gorge. Moi je suis pas habituée à parler, hein, même si je suis un peu bavarde. Enfin, c'était pas comme ça toute la journée en continu et puis fort surtout, parce que là il fallait forcer. Bref, en tout cas c'était cool parce qu'on a rencontré plein de gens, on s'est fait découvrir aussi par plein de monde, donc ça c'est chouette, c'était le but hein, de toute façon, c'était de se présenter au plus grand nombre. De se rapprocher un petit peu de la grande ville aussi qu'il y a autour de chez nous qui est Tours,
pour que voilà, on se fasse connaître. J'ai un peu vendu, donc ça c'est chouette aussi. J'avais peur de... Parce que cette année, je me suis inscrite à plusieurs marchés de Noël. Au total, je vais participer à 4 marchés de Noël. Et du coup, j'avais peur que tout mon stock parte, mais non. Il en reste bien pour les marchés, donc ça, c'est chouette. Mais bon, j'ai quand même vendu, donc ça c'est cool, c'était une bonne journée. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, bah, que c'était intense, que j'étais le stand juste en face. Évidemment, on est entouré de plein d'autres stands. Ça, c'est vraiment pour la petite anecdote. Mais quand on est arrivé, la dame qui nous a aidé à nous installer, elle nous a dit « Ah, hier, juste en face, là, où il y a la petite pancarte avec les poules, il y avait Manuela de l'Amour et dans le Pré. » Et du coup, vendredi, il y avait plein de monde, parce que c'était vendredi, samedi, dimanche. Nous, on était invités pour le dimanche. Le vendredi, apparemment, il n'y a pas grand monde. C'est plus les écoles qui viennent voir les animaux, tout ça. Mais du coup, il n'y a même pas beaucoup d'artisans et producteurs parce que c'est pas des gens qui achètent. Mais donc, vendredi, apparemment, il y avait la dame de l'Amour et dans le Pré avec plein d'autres agriculteurs de l'Amour et dans le Pré. Juste en face, mon stand. Je me suis dit, waouh, c'est trop, j'étais trop deg. Après, elle a dit, elle va peut-être repasser dans l'après-midi. Hier. Et finalement, oui, on l'a vu au loin, elle a récupéré sa petite pancarte et puis elle est partie, mais voilà, il n'y avait rien de plus. De toute façon, même s'il y avait eu plein de gens de l'Amour dans le Pré, je suis pas sûre que je serais allée les voir ni quoi que ce soit, mais ça m'aurait fait plaisir de les voir, quoi, d'être là avec eux. Bref, c'était marrant, c'était la petite anecdote. Sinon, bah écoutez, donc on est rentré, donc on a remballé à 18h. Par contre, ce qui était bien, c'est qu'à 18h, il y avait déjà. Enfin, ça s'est vidé assez rapidement. C'est un salon qui accueille, je crois, 40 000 visiteurs, il me semble, sur les 3 jours. Donc c'est quand même pas mal fréquenté. C'est bien parce que c'est l'occasion, comme je disais, de se faire connaître, mais aussi d'avoir des nouveaux contacts. Voilà, moi, et puis alors j'ai eu de la chance aussi, j'ai ma famille qui est venue me soutenir, donc mes parents, mes tantes, des amis de mes parents ou de mes tantes, enfin c'était chouette. Et c'est pareil, en discutant, du coup, on voit des petites opportunités qui s'ouvrent, comme par exemple, moi mon rêve ce serait, parce que évidemment mon activité autour de la laine, c'est pas quelque chose qui pourra me faire vivre à 100%. Là, comme vous le savez sûrement, je suis à 80% dans un autre job et donc j'ai mes 20% restants pour et puis bah, le reste de mon temps de toute façon pour la ferme. Mais voilà, j'ai un salaire qui tombe tous les mois par mon boulot à 80%. Et c'est bien sûr la plus grande part et c'est celle qui me permet de vivre. C'est pas ma laine qui me permet de vivre. Depuis l'année dernière, je suis tout juste dans mes frais. Donc, mais c'est normal puisque je débute. Je suis pas à 100% dans cette activité, donc il y a plein de choses que j'ai pas le temps de faire. Donc c'est un peu dommage aussi et du coup ça me permet pas de gagner plus d'argent là-dessus. Mais dans tous les cas, le projet ce serait de bien sûr diminuer, voire carrément arrêter mon travail à côté pour me consacrer complètement dans mon activité de chèvre. À terme, j'aimerais bien. Là actuellement, j'ai 15 chèvres. À terme, j'aimerais bien monter jusqu'à 25-30 max, mais pas plus, parce que je veux vraiment que ça reste à échelle humaine, que bah, vous voyez, moi, mes chèvres, je passe énormément de temps avec elles, chacune d'elles individuellement, et j'ai envie de continuer comme ça. Donc voilà, 25-30, ça fait déjà pas mal, et c'est pas avec 25-30 chèvres que je pourrais me dégager un vrai salaire non plus. Mais c'est pas grave, puisque dans mes projets, j'ai plus envie de diversifier les activités autour de cette activité de laine. Ce sera le cœur de la ferme, ce sera les chèvres, mais j'ai envie de diversifier les activités en proposant des visites. Là actuellement, quand on vient visiter la ferme, c'est gratuit parce que voilà, il y a pas grand chose de mis en place, on vient juste chez nous voir les animaux. Mais plus tard, j'aimerais bien proposer des visites sur des thèmes ou accompagnées d'ateliers, choses comme ça. Donc là, bien sûr, elles deviendront payantes. Proposer tout simplement des ateliers, proposer aussi, enfin créer des événements à la ferme autour de tout ce monde de la laine ou des animaux de la ferme de manière générale. Et ce qui me fait rêver depuis que j'ai commencé à avoir des chèvres, c'est d'axer certains ateliers, certaines activités vers le bien-être. Parce que c'est un sujet qui me
qui m'intéresse de plus en plus depuis 2-3 ans. Moi, je me sens pas experte dans le domaine pour proposer quelque chose de moi-même, mais j'aimerais bien qu'il y ait des intervenants, intervenantes dans ce domaine-là et créer des retraites bien-être, j'ai de la vaisselle dans le coffre, des retraites bien-être, et sans aller jusqu'à la retraite bien-être, au moins des séances bien-être à la ferme. Et hier, parmi les amis d'une de mes tantes, il y a une amie que je connais depuis mon enfance en plus, hein, qui avant était pas du tout dans ce domaine-là, mais qui depuis peu est sophrologue. Et quand je lui ai parlé de ça, ça l'a tout de suite emballée. Et franchement, j'aurais pas pensé à elle parce qu'elle était pas dans ce domaine-là à la base, mais ce serait trop chouette de faire quelque chose avec elle. Donc voilà, c'est un projet qui va peut-être être un peu plus réfléchi avec sérieux l'année prochaine. C'est trop chouette, j'ai trop hâte. Et j'ai hâte que tout ça avance et prenne forme, parce que c'est plein de trucs que j'ai en tête qui des fois, voyez, tout ce qui est là, par exemple ce que je viens de vous dire, j'osais pas trop en parler d'accès vers le bien-être, parce que comme je le disais, je suis pas une experte, et du coup je me sentais pas trop légitime de proposer ça. Mais en soi, c'est quelque chose qui m'anime vraiment, que j'aime vraiment. Je suis désolée, j'ai le soleil en pleine tronche. Bref, donc je vous en parle alors qu'il n'y a rien de fait. Mais en tout cas, on en a parlé hier et franchement, ça m'a trop emballée. Donc voilà, ça va se réfléchir, comme je vous disais, avec un peu plus de sérieux. Et peut-être qu'un jour, ça verra le jour, j'espère en tout cas. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresserait de passer soit une séance de sophro, par exemple, de sophrologie dans le champ avec les chèvres, ou alors j'aimerais bien faire des séances de yoga. Vous voyez, moi, je connais pas de prof de yoga, mais des séances de yoga dans le champ. Alors tout ça, ça se ferait quand il fait beau, parce que déjà c'est beaucoup plus agréable, et puis je n'ai pas de locaux pour accueillir du public à l'intérieur. Par contre, c'est peut-être quelque chose qui devrait se réfléchir aussi, parce que même si ça se passe en plein été, on n'est pas à l'abri, et là c'est le cas de le dire, qu'il y ait un peu de pluie, ou voilà, on a bien vu cet été qu'il y avait parfois des sacrées averses en plein été. Donc il faudrait quand même avoir un plan B si jamais c'est la cata au niveau du climat, enfin du temps, quoi. Mais je sais pas. Des fois, je pense à une grande serre, une grande tente, une yourte, des choses comme ça. Ce serait plein de choses qui se réfléchissent. Ce serait trop chouette, franchement. Et pour le coup, si j'avais une yourte, on pourrait même faire des séances l'hiver. Enfin, bref, ne nous emballons pas. Il faut aussi que je reste concentrée sur toute ma production de laine, parce que ça me demande quand même beaucoup de travail. Et je veux pas, lésigner ça. Parce que comme je vous dis, ça restera le cœur de mon activité. Voilà. Donc vous voyez, je suis revenue KO. Alors avec mon chéri, on était KO, aussi bien pour la voix que pour l'énergie que ça demande, parce que on est archi stimulé, parce qu'il y a plein de monde. Oh purée, j'ai loupé la route. On est archi stimulé parce qu'il y a plein de monde. Et en plus, il faut du coup être sociable, donc souriante à chaque fois. C'est pas que c'est une plaie, mais c'est juste que ça me demande de l'énergie. Parler en constamment, et puis surveiller aussi, puisque plus il y a de monde, plus il y a de possibilités qu'il y ait des vols, qu'il y ait des choses qui tombent par terre et qu'on les voit pas. Donc ça demande quand même pas mal de surveillance. Donc hier soir, on était vraiment KO. Mon chéri en plus a renchaîné aujourd'hui avec une journée de boulot à son boulot. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir dormir un petit peu plus ce matin. Et je vous dis que c'est le seul moment où je peux débriefer. Je suis dans une forêt. Alors il y a un côté qui est, je sais pas si vous allez voir, qui est grillagé. Mais souvent c'est des réserves de chasse, des choses comme ça. Au loin, j'ai cru qu'il y avait un cerf, et en fait c'était un couple de mouflons corse. Je comprends pas qu'il y ait des mouflons de Corse dans la forêt. Je vais me renseigner. Je suis sûre de moi en plus. Improbable. J'aurais peut-être dû les prendre en photo. Bon. D'accord. Je sais même pas ce que c'est.
c'est une... Ça a l'air d'être une vieille maison abandonnée avec des hauts vents pour les animaux. Donc peut-être qu'ils ont des mouflons de Corse après tout. Trop bizarre. Bref, qu'est-ce que j'étais en train de dire? On était KO, mon chéri travaille. Moi, oui, voilà, c'est le seul moment que j'ai pour vous parler. Alors j'ai du temps parce que j'ai 3 heures devant moi en voiture. Pourquoi? Parce que là, on sort du cadre de la vidéo, mais c'est 2 jours off, place à la détente, où je vais rejoindre ma meilleure amie qui habite à Nantes. Et on va faire le sapin de Noël avec sa petite fille, dont je suis la marraine, dont je suis fièrement la marraine. Donc voilà, ça va être vraiment 2 jours de déconnexion. Alors je suis partie avec 1 heure de retard parce qu'il fallait gérer les animaux, la maison, tout ça. Voilà, là je vais décrocher. Après cette vidéo, je me mets un petit peu de musique et c'est parti pour 3 heures de route vers Nantes. Voilà, bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aurais aimé filmer un petit peu plus hier pendant le salon, mais il s'avère que quand bah, déjà je vous ai dit, on était archi stimulés tout le temps. Franchement, j'ai même pas eu le temps de manger. On s'était fait 2 sandwichs, j'ai mangé 1,5. À chaque fois, je le posais pour parler aux gens. À la fin, bah, je l'ai laissé, je l'ai zappé, donc du coup, j'ai même pas tout mangé. Donc ouais, à peine le temps de manger, donc voilà, j'ai pas trop pris mon téléphone pour filmer, et puis en plus j'étais pas archi à l'aise, et puis c'est pas évident parce qu'il y a plein de monde, donc voilà, tout le monde n'a pas forcément envie d'être sur YouTube. Voilà, mais en tout cas c'était cool. À la fin de cette vidéo, j'en profite donc pour remercier mon chéri qui est le plus soutenant de toute cette aventure. Franchement, j'ai de la chance parce qu'il aurait très bien pu ne pas venir, mais je lui ai dit heureusement que t'es là parce que c'est tellement intense et puis un peu stressant. Moi au début j'étais stressée, hein, donc voilà, lui le pauvre, il aurait peut-être fait autre chose de son dimanche. Et puis bien sûr, bah, ma famille qui est venue me voir, ça m'a fait trop plaisir. Me sentir soutenue par des membres de sa famille, ça fait toujours chaud au cœur. Bien sûr, merci à la communauté de communes Sud Touraine, parce que sans eux, bah, j'aurais pas pu participer, parce que clairement les places à un salon comme celui-là, bah, j'aurais pas du tout été rentable, donc j'aurais pas pu y aller. Donc c'était une sacrée opportunité, je suis très contente. Merci à tous les gens qui sont venus sur mon stand, parce que c'est pareil, c'était des belles rencontres, et ça m'a fait plaisir de discuter avec tout le monde, même si ça m'a foutu en l'air mes cordes vocales. Voilà, merci. C'est une sacrée aventure qu'on vit avec toutes ces petites piquettes, et c'est chouette, et je suis très contente de la vivre et d'aller au bout des choses, et je suis même fière de moi de me surpasser à chaque fois, parce que je suis quand même quelqu'un qui est dans sa grotte généralement, même si là ça paraît pas trop parce que je me filme, mais en vrai je suis toute seule actuellement là. Je peux décider ou non de publier ce passage, cette vidéo, enfin voilà. Donc j'ai beaucoup moins de pression que quand je suis avec des gens. Et voilà. Voilà tout simplement. Toute cette aventure, ça m'ouvre, ça me fait grandir. C'est chouette. Et qu'elle continue. Avec tous ces beaux projets. Bon allez, j'arrête de blablater. Mais là, le problème, c'est que quand je suis en voiture, je cause encore plus. Je vous embrasse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Bye bye.